Kamal Bokantar spends his days at La Clinique d'Abeloun, making handmade leather soccer balls in the Moroccan city of Marrakesh. In his small craft shop in the leather working neighborhood of Marrakesh, Kamal Bokantar meticulously stitches a leather soccer ball as part of his family business at La Clinique d'Abeloun, French for the clinic ball. The 58-year-old ball maker said he is inherited the expertise of making soccer and rugby balls from his parents who started the business in 1965. The craft of leather soccer balls, Bokantar explained, came from Europe and Latin America. Et voilà, l'idée est venue au Maroc dans les années peut-être 50. Ça a commencé dans les années 50. Il y avait des Marocains qui faisaient des ballons à l'époque. Mais il y a très longtemps, il n'en reste plus. Et ma famille s'est spécialisée dans la fabrication des ballons depuis les années 60. Bokantar believes La Clinique d'Abeloun is the last in the Arab world and almost the Muslim world to make leather soccer balls the way it does. We are really the experts of all this, he proudly stated. Nous sommes les premiers à faire ça au Maroc depuis les années 60, par mes parents déjà, ma mère et mon père, ils faisaient des ballons aussi. Et donc nous avons hérité le travail ancestral de nos parents. Et voilà, nous sommes les derniers à faire ça dans le monde arabe et presque le monde musulman, de cette façon-là qu'on travaille le ballon. On est vraiment les spécialistes de tout ça. Voilà. Next to a photo frame of him with former French soccer player Didier Six hanging on the wall, Bokantar was making a leather soccer ball according to what he said was the 1920 Argentinian design that was used in the 1928 Summer Olympics and the finals of the first World Cup tournament in 1930. Le ballon que je suis en train de faire, c'est un ballon argentin qui a été fabriqué en 1920, pas loin de Cordoba, et qu'il a été inventé par deux voisins dans les années 1920. Et la première fois, il a été engagé dans les Jeux Olympiques 1928. Et une deuxième fois, en 1930, la première Coupe du Monde, voilà. Et il était le deuxième ballon de la deuxième mi-temps de la fin de la Coupe du Monde 1930 contre l'Uruguay et les Argentins. Bokantar said he remakes famous balls as well as his own designs. Finishing a ball could take him any time between 2 days up to 2 weeks, between manufacturing, sewing and maintenance. Commenting on the ongoing FIFA 2022 World Cup in Qatar and the national Morocco team's run, Bokantar said they didn't really have much luck. Morocco, punching above their weight, beat Belgium and Canada in the group stage before eliminating 2010 world champions Spain on penalties in the last 16 and then beating 2016 European champions Portugal in the quarterfinals. Bon, cette année, lors de la Coupe du Monde au Qatar, on n'a pas vraiment eu beaucoup de chance, mais voilà, notre rêve marocain s'est arrêté en demi-finale. Et on a cette chance aussi de jouer la troisième ou la quatrième place. Donc on est dans le Golden Four, on ne risque rien. Au moins, on représente le monde arabe, africain et puis le monde musulman dans le foot mondial. Morocco's dream run ended in the last four against France, but they still became the first African and Arab country to reach a World Cup semi-final. Morocco is set to play the World Cup third place playoff final against Croatia.